Bonjour, bienvenue pour cette rencontre poétique autour des vers du temps. Nous sommes très heureuses de voir aboutir ce projet de longue haleine à l'initiative de l'équipe intime du laboratoire TIL de l'Université de Bourgogne. Je vous présente Marie-Odile Bernays, angliciste, qui a été co-responsable de l'équipe intime, Lucie Bernard, et moi-même, Cécile Iglesias, hein, qui sommes actuellement co-responsables de l'équipe intime. Ce projet, on le porte collectivement depuis plus d'un an, puisque nous sommes privés de rencontres en chair et en os pour fêter le printemps des poètes. Et donc, nous sommes très heureuses que cette modalité virtuelle nous permette enfin ce partage multilingue que nous avons souhaité au sein de l'équipe et qui peut se faire aujourd'hui grâce à vous. Et pour nous en dire plus, je passe tout de suite la parole à Sylvie Crincan, un pilier du laboratoire et de l'équipe intime, qui est aussi à l'origine du blog Vers du Temps. Merci Cécile. Je viens de vous mettre le lien vers le blog dans le chat. Donc, effectivement, quand nous avons commencé à réfléchir à l'organisation de la manifestation Printemps des Poètes, je crois que c'était une réunion en octobre dernier. Et à l'époque, quand même, si vous vous rappelez, nous disions bah, bien sûr qu'au printemps, on pourra tous être dehors et réciter nos poèmes tranquillement. Mais ayant quand même appris du passé avec un peu de prudence, donc nous avons décidé d'ouvrir ce blog. Et dans la mesure où il n'était pas limité au moment du printemps, nous l'avons appelé « Au vers du temps ». Donc, bon, j'ai travaillé dessus, mais la personne qu'il faut vraiment féliciter pour ce blog, c'est Loïc, qui est ici présent, qui est le concepteur, qui a fait le logo, qui a fait toute la mise en page. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez déposer des poèmes sur ce blog, n'hésitez pas, vous proposez une contribution et Loïc la filtrera et vous serez mis en ligne dans les meilleurs délais, quelle que soit la langue dans laquelle vous souhaitez vous exprimer. Devant le succès du blog, parce qu'on a eu pas mal de contributions récemment, nous avons décidé d'essayer de le classer un peu plus. On est en train d'y réfléchir avec Loïc sur un classement qui soit pertinent. Et puis, on reviendra peut-être vers les contributeurs pour vous demander ce qu'on va faire là un peu, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de partager tel poème, pourquoi, si c'est un poème que vous partagez qui n'est pas de vous, pourquoi celui-là en particulier et qu'est-ce qui vous semble aller avec le désir. Et puis, bon, ça aussi, ça fait partie des discussions et on en saura plus peut-être dans un peu de temps, mais notre idée, c'est de pérenniser le blog, c'est-à-dire de prendre l'année prochaine le nouveau thème du Printemps des Poètes et de laisser ce blog comme un espace ouvert pour les amateurs de poésie, dans lequel ils peuvent venir s'exprimer. And so just for those of you who don't speak French, this is just to explain that since we have this this thing in France, which is called le Printemps des poètes, which usually takes place, as the word says, in spring, where you recite poetry or you celebrate poetry. And this year, seeing that we had lockdown, we thought that it might be a good idea to have another way of having poetry. And so we created this blog, which whose address you can see in the chat, but which was sent to you, I think, by Lucie and Cécile when we started organizing this meeting. And so if you want to contribute a poem, don't hesitate, whether it be one of yours, one you have written, or just a poem that you particularly like, which of course has to be related with the theme of design this year, but we hope to keep the blog next year, and of course we'll adapt to whatever theme there is next year. Right, and that's it about the blog. If you have any questions, don't hesitate. Merci beaucoup, Sylvie. Et donc, c'est l'équipe KITS qui va démarrer cette séance de partage de poèmes autour du thème du désir. Voilà. Et c'est donc encore moi, je suis désolée, qui prend la parole pour vous présenter The KITS Squad.
Donc, cette année, c'était le bicentenaire de la mort du poète anglais John Keats. Et il y a eu une journée d'études internationale, en ligne bien sûr, de commémoration pour célébrer cet événement. Et j'avais proposé aux organisateurs que la contribution dijonnaise soit en fait une contribution faite par des étudiants autant que par des enseignants. Et donc, Laure Hélène, qui est ici présente, et moi, nous avons travaillé avec, à l'époque, 5 étudiants. Nous nous sommes vus toutes les semaines depuis le mois de janvier pour travailler, et nous avons présenté une communication d'une heure à la commémoration de Keats. C'était début mars. Et puis, bah, bon, voilà, la commémoration étant finie, The Keats Squad aurait pu disparaître, mais nous avons tous du mal à nous séparer, en fait. Et étant donné que notre communication sur Keats portait sur le fait que Keats n'était pas mort, était toujours encore bien vivant, contrairement à ce que croient les esprits chagrins, il m'a semblé que pour le printemps des poètes, c'était une bonne idée de ressusciter, peut-être pas Keats, mais au moins le Keats Squad. Et donc, j'ai vraiment la grande fierté de vous présenter mes complices, qui sont, j'ai déjà présenté Loïc qui est étudiant à M1 Révi, Marie, qui est étudiante en L2, Laure Hélène, qui vient de soutenir une thèse sur Keats et Owen, et Lina, qui est étudiante en M1. Et donc, chacun d'entre nous, nous allons vous lire un ou deux extraits de et autour de Keats, qui font donc la raison d'être de The Keats Squad. And just so in English, very briefly, to say that we are the Keats Squad. We are a group of the 2 teachers and 3 students. And we got together in order to commemorate the bicentenary of Keats's death. And we worked for that. And so today we've decided to read a few bits of poems by and about Keats. We have a motto, being the Keats Squad. Just like the blog, the motto was created by Loïc. Donc nous avons une devise, et je vais commencer par cette devise. We are the Keats Squad. We cherish nightingales. We celebrate autumn. That is all you know on earth, and all you need to know. Expect us. Marie. Donc, le poème que je vais vous lire est un poème de Wilfred Owen, qui est un poète britannique de la Première Guerre mondiale. Et ce poème, il est intitulé « Page Englantine ». Donc, dans ce poème, le poète y décrit une absence du désir, et il pourrait être lu comme une réponse à un poème de John Keats qui s'appelle « Ode on Indolence ». Donc, voici le poème. « May light me no fire tonight ». Page Englantine, I have no desire tonight to drink or dine. I will suck no briar tonight, nor read no line. And you be my choir tonight, and you my wine. C'est moi qui enchaîne avec un poème de Keats, extrêmement connu, c'est l'Ode au Rossignol. Donc pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, l'Ode au Rossignol a été écrite par Keats théoriquement en écoutant un rossignol. Et le début du poème marque la fin d'une expérience de communion du poète avec l'oiseau. Et tout le poème essaye d'expliquer comment le poète va essayer de retrouver cette expérience perdue. Il va essayer avec trois méthodes. La première, ça va être le vin. Et il me semblait qu'étant en Bourgogne, quand même, on pouvait peut-être parler un petit peu du désir de vin. Il faut surtout que vous entendrez que c'est un très beau vin dont nous parle Keats. Le second moyen, c'est la poésie. Et le troisième moyen, c'est la mort. Donc, je vais vous lire les deux premières strophes du poème, qui sont donc la situation, puis le moyen de retrouver l'oiseau par le vin, et puis la sixième strophe, qui est la strophe où le poète rêve de mort. My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains 1 minute past, and leafy woods had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beech and green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that have been cooled a long age in the deep delved earth. Tasting of flora and the country green, dance and Provençal song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of a warm south, full of a true, the blushful hip cream, with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim. Darkling, I listen. And for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a music rhyme, to take into the air my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die, to cease upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a sod. Donc, je vais continuer avec l'extrait d'un poème intitulé Ode on a Grecian Urn, toujours écrit par John Keats, ça n'a pas changé. Dans ce poème, Keats porte un regard sur les motifs d'une urne grecque, et à cette occasion, il entremêle une réflexion sur l'art, il entremêle une réflexion sur le beau et le vrai. Et dans l'extrait choisi ici, qui est tout au début du poème, Keats nous transporte au son des pipeaux, dans la poursuite d'un amant qui souhaite obtenir le baiser d'une jeune femme. Donc, allons-y. Let's go for it. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ears of pipes, play on. Not to a sensual ear, but more endeared, pipe to the spirit ditties of no tone. Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss. Though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. For ever wilt thou love, and she be fair. Ah, happy, happy boughs, that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu. And happy melodist, unwearied, forever piping songs, forever new. More happy love, more happy, happy love. Forever warm and still to be enjoyed. Forever panting and forever young. All breathing human passion far above, that leaves the heart high, sorrowful and cloyed. A burning forehead and a parching tongue. Alors, je vais prendre la suite de Loïc. Le poème dont je vais vous lire un extrait est intitulé Sleep and Poetry. C'est un extrait du premier recueil de John Keats. Ce poème compare les attraits du sommeil et de la poésie et aborde également la recherche de la voix poétique et de la voix propre du poète. Dans cet extrait en particulier, le locuteur affirme son désir de s'immerger pleinement dans un monde poétique pastoral pour en goûter tous les plaisirs sensoriels. Oh, for 10 years, that I may overwhelm myself in poesy, so I may do the deed that my own soul has to itself decreed. Then will I pass the countries that I see in long perspective, and continually taste their pure fountains. First the realm I'll pass of flora and old Pan, sleep in the grass, feed upon apples red and strawberries, and choose each pleasure that my fancy sees. Catch the white-handed nymphs in shady places to woo sweet kisses from averted faces. Play with their fingers, touch their shoulders white into a printy, shrinking with a bite as hard as lips can make it, till agreed, a lovely tale of human life will read.
And one will teach a tame dove how it best may fan the cool air gently over my breast. Another, bending over her nimble tread, will set a green robe floating round her head, and still will dance with ever-varied ease, smiling upon the flowers and the trees. Another will entice me on, through almond blossoms and rich cinnamon, till in the bosom of a leafy world, we rest in silence, like two gems upcurled in the recesses of a pearly shell. Je vais donc conclure avec deux poèmes. Un poème de Keats qui s'intitule This Living Hand, qui est sans doute l'un de ses plus courts et qui parle du coup de la main tendue du poète et d'un désir qui est sans vie. C'est un désir donc non accompli puisque la main tendue ne sera pas prise. Et cette main est sans doute tendue pour Fanny Brawne, qui était sa compagne. À la suite de ça, je vais lire une réponse que j'ai moi-même écrite à ce poème. This living hand. This living hand, now warm and capable of earnest grasping, would, if it were cold and in the icy silence of the tomb, so haunt thy days and chill thy dreaming nights that thou wouldst wish thine own heart dry of blood. So in my veins red life might stream again, and thou be conscious, calm. See, here it is, I hold it towards you. This living hand, the response. This living hand held towards me, I take it and get struck by thy memory, and the chill that once grasped my body is soon replaced by a warmth of heart provided by thee. So in my veins now flow thy rhymes that were never forgotten through all the times, and which came rushing back as vivid as the sound of night owls, as if I was reading again thine odes so dear to our souls. We are the Keats Squad. We cherish nightingales. We celebrate autumn. This is all you know on earth and all you need to know. Expect us. Merci beaucoup. Merci pour ce récital à plusieurs voix. Merci infiniment. Yeah, the pure joy on your faces as you read and listen to Keats was a perfect way to open this. Et je peux réagir très très rapidement. Juste Lina, je voulais vous remercier. Je ne vais pas lire de poème. Si j'en avais lu un, ce serait celui-ci, qui est mon préféré. juste très très rapidement, parce que je pense que la poésie, c'est quand même aussi quelque chose de vivant. C'est mon poème préféré parce qu'il m'a été offert. C'est une amie très chère à mon cœur que beaucoup d'entre nous connaissent, Beth, Elizabeth Malone, qui j'espère nous regarde en ce moment, qui me l'a offert il y a quelques années parce que je travaillais sur les vampires. Il est très vampirique ce poème quand même, hein, cette main tendue à travers les âges. Elle me l'a offert après que j'ai perdu ma grand-mère. Donc c'était vraiment une incarnation extraordinaire, hein, de Keats. Ce poème, étrangement, m'a fait un bien incroyable quand moi-même j'étais en deuil. Et votre réponse, entendre votre réponse, Lina, à Keats aujourd'hui, c'est... J'en ai les larmes aux yeux. So, thank you very much. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette émotion et ce moment un peu suspendu, c'est vrai, avec cette entrée en matière. On change de langue, on change de domaine avec la lectrice suivante qui est Swaïla Dalil, une étudiante de première année de licence LCER espagnole, qui va nous faire découvrir un de ses poèmes personnels. Je la laisse nous le présenter. Bonjour, je m'appelle Swaïla. Je voudrais vous remercier de nous permettre de lire notre poème et partager cette passion avec d'autres personnes, surtout pour nous permettre de mieux nous connaître
J'ai choisi d'écrire et de vous réciter mon poème qui traite du désir de voyage, et un thème qui me représente beaucoup, et je pense que chaque moment de sa vie et se retrouver loin de sa vie natale et de ses proches et peut donc s'identifier dans ce poème. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère qu'il va vous plaire. El deseo de viajar. Viajar es pasar la noche en vela contemplando las fotografías escondidas en el baúl de los recuerdos. Viajar es recargar la maleta de ilusión para amanecer con un nuevo comienzo. Viajar es alejarte de tu entorno, pero a la vez conectarte contigo mismo. Viajar es percibir esa melodía en tu interior para vivir esa locura en el exterior. Viajar es escapar de esa realidad cotidiana que tanto nos tiene atrapados. Viajar es sentir esa morriña con el anhelo de retornar. Viajar es vivir tu propia imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Merci de partager avec nous ce poème personnel. Oui, voyager, voilà quelque chose vers quoi nous sentons tous une inspiration depuis des mois. Donc oui, votre poème effectivement nous parle, bien entendu, à tous. Et merci de l'avoir partagé avec nous. Alors, c'est Hervé, après, c'est ça, hein ? Oui. Donc, le prochain lecteur, donc, c'est Hervé Bismuth qui va nous lire un poème en français. Il va être un des seuls, je crois, à avoir choisi le français. Est-ce qu'on on m'entend normalement ? Ouais. Oui, on en entend bien, là. Bonjour, je vous présente très rapidement ce poème. C'est un poème qui date de 1957, qu'Aragon a écrit au moment de la mort du poète surréaliste tchèque Vítězslav Nezval. Il est question d'autres poètes dans ce poème, notamment de la mort d'Éluard, qui, elle, avait eu lieu en novembre 52, voilà, pour comprendre ce qui se dit. Et il y a quelques coupures, c'est un poème qui alterne de la prose et du vers. Avez-vous jamais vu comment meurt un oiseau? Une pierre soudain qui tombe dans la cage. Cela ne chantera plus, n'ébouriffera plus son plumage. Cela meurt droit, devenu plomb. Cela meurt, on dirait un meuble tombé dans ma tête. Une marche manquée, un mot pour l'autre. Un oiseau, hein, que c'est triste, un oiseau qui meurt. Une phrase inachevée. Un vers qui ne trouvera plus d'écho. Tiens, encore un poète mort dans le journal. La radio ce soir a parlé de Nezval. Pour dire qu'il est mort, c'est plus que pour Rimbaud. Hein. La radio ce soir a parlé de Nezval. Pour dire qu'il s'est tu. Ainsi, Prague a perdu son âme et son poète. Lorsque j'irai tantôt, je ne l'y verrai pas. Et son cœur s'est brisé comme un verre qu'on jette à la fin du repas. Lorca, Mayakovsky, Desnos, Apollinaire, leurs ombres longuement parfument nos matins. Le ciel roule toujours les feux imaginaires de leurs astres éteints. Contre le chant majeur, la balle, que peut-elle? Sauf contre le chanteur, que peuvent les fusils? La terre ne reprend que cette chair mortelle, mais non la poésie. Ce siècle est au-delà du minuit de son âge. Ces poètes n'ont plus besoin d'être achevés. Ils ont usé leur vie au danger des images et croient avoir rêvé. Il se fit dans Paris un silence de neige, un réveil de novembre à 9 h battant, quand Éluard partit rejoindre le cortège. Mais Nezval meurt au printemps. C'est de sa belle mort, comme disent les hommes, qu'il meurt, Nezval, et tout par conséquent, eh bien, il ne faut pas pleurer dans ce siècle où nous sommes, cela ne sert à rien. Il meurt, l'enfant terrible, au jour des primevères. Pâques éperdument auront sonné pour lui.
Ses paupières fermées, ses doigts se sont rouverts, ses derniers vers ont lui. Dans le monde en gésine, inhumain, pathétique, il tourne au firmament à jamais ses yeux bleus. Visage émerveillé des peintures gothiques, soleil de quand il pleut. Il est entré vivant dans les cieux du folklore, y chantant sa mère et la paix pareillement. Il nous montre demain comme une bague d'or dans la main d'un amant. Nesval, de qui le nom notre lèvre façonne. Nesval, attends un peu, j'arrive à tes côtés. Du jour qui fut si beau, déjà le soir frissonne, et d'autres vont chanter. Merci. C'est à nous de remercier. Merci. Merci pour ce poème si intense. Merci Hervé. Et nous franchissons les frontières pour la prochaine lecture, puisque nous allons découvrir un poème en chinois de Wang Ziyuan de la dynastie Tang du début du 8e siècle, avec sa traduction à la fois en finnois, en italien et en français, grâce à la collaboration de 3 collègues au sein de l'Alliance For Them, qui est l'alliance de 7 universités européennes. Alors, nous allons entendre le fruit du travail des enseignantes et des étudiants d'Agnès Perneliu, qui est donc une collègue membre associée de TIL, de Giuseppe Tamburello, de l'Université de Palerme, en Italie, et de Jiai Li Apanyami, de l'Université de Ivsaskila, en Finlande. Et c'est justement Jiai et, je crois, un étudiant qui vont démarrer. Ok, so Jiai, you're on. So, is it my turn to read the poem? Yes, please. Okay, so I will read it in Chinese as Agnes' teacher asked me to do so. And do I need to introduce the background or anything more? If you want to, it's up to you. Okay, so is it easier if the French teacher will introduce the poem in French? Again, as you want. you can say a few words in English. Sure, that what am I supposed to do? Did you prepare anything? If you want to just keep... Okay. Yeah. 李老师该你了，你先读中文，后来我就把。好，您会介绍就不需要我去介绍什么，对吧？我就只是来读这个诗就可以，是吗？可以。好的，OK，so I will read it in Chinese. So... 登鹳雀楼，唐王之涣。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Is there a Finnish translation of that poem? Yes, and also we have student who like to present it in Finnish. Vera, you're welcome. Yes. Hi, I have the Finnish version that I translated on my own. So, well, I can tell you that in English, the poem is called Climbing White Stork Tower. So now I will read it in Finnish. Kiivetessä valkoisen haikaran torniin. Valkoinen aurinko laskee puorien taa ja keltainen joki mereen virtaa. Jos haluat nähdä tuhansien kilometrien päähän, kiipeä yksi kerros lisää. Hienoa. Thank you. Do you want me to copy paste the Finnish translation in the chat so you guys can put it on the blog if you want? I have already forwarded to the teacher already. Yeah. Okay. Actually, if you want to put it in the chat right now, it's still a good idea. We can show it during the presentation. But yes, we'll get in touch with you to make sure it is on the blog. But
by okay. Another, we'll have to send it on the blog itself. All right, thank you. Giuseppa? Okay, so Giuseppa is going to read us a translation in Italian, right? Of the same poem. Or a student. Or okay. A student of her, of hers. Good maybe. Afternoon. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes. Yes. All right. That's good because I'm a little bit mixed up. Good afternoon. Okay. We have prepared something like this. There will be Gianmarco who will be reading the Chinese version again, just, you know, as an Italian student reads it. And then there will be Angelica, who will be reading the translation that I have prepared of this poem. In order to connect with what was being said at the very beginning of this meeting, and I'm sorry, I use English because my French is really rather poor, but anyhow. I do teach Chinese literature in Italy. And when it comes to poetry, students are extremely reactive on that. So it's very good that there is a blog going on this issue, because maybe some work has to be done, because students as young people are extremely sensitive towards poetry. Maybe it's a problem that we don't do enough about poetry with the students. But as soon as someone begins talking about the issue, proposing something, and ask them to try themselves on poetry directly, well, the reaction is, in my experience, kind of strong. So that is also the reason why this afternoon I'm here. Thank you very much. The poem, as you have seen in Chinese, is a very short one. I've been sending a little file that you will find in the material. And the poem is a tongue poem, just, you know, kind of very characteristic of the times. And it's composed of four verses, each of them composed of five words. So you can imagine how difficult it is to just move this construction into a language like the Italian language, where you have to add articles, conjugation, genders, and all that stuff, right? So it's very difficult. So in the translation that I have prepared for this afternoon, what I've tried to do was mainly to keep five elements in each line. That's my effort. Whereas the intonation in Chinese is given by the tones and they go kind of, you know, towards a certain direction, in Italian, the intonation will try to give the same kind of response to the poem, but of course it's in Italian then. So I will stop here and I will invite Gianmarco then to read the Chinese poem. Thank you. Hello everyone, I'm Gianmarco. I'm going to read the poem in Chinese. Deng guan xue lou wang zhi huan. Bai zhi yi shen jing. Huang he ru hai liu. Yu qiong qian li mu. Geng sheng yi cong lou. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gianmarco. It would be nice to know what the what Jia Yi thinks about this version in Chinese given by an Italian student. And then, thank you, Gianmarco. And then I would like to invite Angelica for the Italian version then. Good afternoon. I will read the poem in the Italian version. Risalire su per il torrione di cicogne e passeri. Di Wang Juhuan. Chiaro il giorno sta per finire dietro i monti. Scorre il fiume giallo fin dentro il mare. Esausto, desiderando guardar lontano per mille lì, salir più su di un altro piano ancora. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Grazie Angelica. Okay, so our little group has completed just here.
Thank you, everyone. No, thank you. So Agnès is going to say well now. Okay. Alors, je vous lis maintenant la traduction en français du poème. Un poème de Wang Zhihuan, de la dynastie Tang, du début du 8e siècle. Imaginez que vous montez avec lui à la tour des cigognes. Voici le poème. En montant à la tour des cigognes. Regarde, le soleil décline jusqu'à disparaître derrière les montagnes. Le fleuve jaune coule jusqu'à se jeter dans la mer. Tu désires voir loin, loin. Continue de monter. Super, merci. Merci, merci beaucoup et bravo pour cette collaboration accomplie dans des délais extrêmement courts. Donc voilà. C'était extraordinaire. Thank you very much. Marie-Odile Alors, nous changeons complètement d'univers. Puisque nous passons à présent au domaine germanophone avec Sylvie Marchenoir, hein, qui est notre collègue à l'Université de Bourgogne, membre de l'équipe intime et spécialiste de littérature féminine, pour une première série de poèmes en allemand consacrés au désir. Bonjour à toutes et à tous. J'ai moi aussi monté une petite équipe avec le département d'allemand de l'Université de Bourgogne et celui de Mayence. Et nous avons choisi des poèmes pour illustrer le désir tout au long des siècles. On va commencer par l'époque médiévale et remonter jusqu'au XXe siècle. Donc, je vous parle tout d'abord de Mechthild von Magdeburg, qui est la poétesse ayant écrit le premier poème que je vais vous lire. C'est une religieuse et mystique allemande du XIIIe siècle qui a vécu à Magdebourg, en Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Elle a écrit une œuvre qui relève de la mystique chrétienne, rassemblée dans 7 livres intitulés en français, le titre est bien sûr original en allemand, « La lumière fluente de la divinité ». Et elle y décrit des visions, soit sous forme de prose, soit sous forme de poème, et elle chante son amour de Dieu. Ce poème est très intéressant car le désir d'une union avec Dieu qui passe par l'anéantissement de soi, il prend des accents tout à fait charnels, mettant en avant un moment très particulier de l'histoire des idées entre mystique spéculative et émergence de l'individu, entre poésie courtoise masculine et première écriture féminine, spirituelle, mais empreinte de sensualité. Le titre de ce poème, si je vous le traduis en allemand, en français, donne toute sa force au poème. « Tu es, pour mon désir, la sensation de l'amour. » Donc en allemand. « Du bist meinem Begehren ein Liebesfühlen. Du bist meiner Brust eine süße Kühlung. Du bist ein inniger Kuss meines Mundes. Du bist eine fröhliche Freude meines Fundes. Ich bin in dir und du bist in mir. Wir können einander nicht näher sein, denn wir zwei sind ineinander geflossen und in eine Form gegossen und bleiben so ewig unverdrossen. Bien, on va faire maintenant un grand bond en avant. Je vais céder la parole à mon collègue du département d'allemand, Christophe Behrens. Christophe Behrens est lecteur du DAAD, c'est l'Office allemand des échanges universitaires.
Dans ce cadre, il est chargé dans notre département de la formation franco-allemande des enseignants du second degré entre l'Université de Bourgogne et l'Université de Mayence, qui est l'un des partenaires FORZEM. Ses recherches portent sur la littérature comparée et parlent en fait de la mise en scène des émotions et des genres dans le texte théâtral. Et à ce titre, Christophe est très investi dans la vie culturelle du département, faisant partager à nos étudiants ses expériences poétiques et théâtrales. C'est à toi, Christophe. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. Donc, je vais vous lire un tout petit poème, « Nur wer die Sehnsucht kennt », en français, « Seul celui, celle qui connaît le désir ». C'est un poème de Johann Wolfgang von Goethe, un des poètes nationaux allemands, mais aussi dramaturge, scientifique, homme politique et notamment romancier. Le poème que je vais vous lire est apparu dans le roman d'éducation de Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, apparu entre 1795 et 1796. Mais comme chaque roman d'apprentissage, ce roman aussi, il comporte sa part séductrice, qui est incarné par le mystérieux personnage de Mignon, une très jeune fille farouche, secrète, on ne sait d'où venue. L'enfant elle-même va mourir de trop de souffrances intérieures, de trop d'amour pour Wilhelm. Il faut encore ajouter que Mignon, comme son nom l'indique, est un personnage hésitant entre masculin et féminin. Elle en apparaît d'autant plus insaisible, d'autant plus fascinante, point encore incarné et pourtant très charnel. Donc, je vais vous lire le poème. Johann Wolfgang von Goethe. Nur wer die Sehnsucht kennt. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindet mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Merci beaucoup, Christophe. Donc, je vais céder maintenant la parole dans un instant à un autre collègue du département d'allemand qui s'appelle Michael Müller. Michael est lecteur OEAD, c'est-à-dire de l'Office autrichien des échanges universitaires. Il a une formation triple de philosophe, d'allemand et d'historien. Et en tant que germaniste, il a lui aussi beaucoup d'implications dans notre vie culturelle au département d'allemand. Il s'occupe avec les autres lecteurs du ciné-club. Lui aussi fait faire des expériences théâtrales à ses étudiants. Et c'est un passionné de poésie. Il a choisi de lire un poème qui lui tient particulièrement à cœur. C'est à toi, Michael. Merci, Sylvie. Je vais vous lire un autre poème de Goethe qui s'appelle « Nähe des Geliebten ». Il l'a écrit en 1795, c'est-à-dire c'est après la fin de la période du Sturm und Drang. Et du point de vue de l'histoire littéraire, il se situe donc dans l'époque du classicisme de Weimar. Le titre « Nähe des Geliebten » révèle que le moi lyrique est très probablement une femme. Chaque strophe commence par une indication sensorielle. « Je pense »,« Ich denke »,« Je vois »,« Ich sehe »,« J'entends »,« Ich höre ». Le bien-aimé lointain est évoqué par le phénomène naturel. En fin de compte, la proximité émotionnelle triomphe de la distance physique. Le poème a été mis en musique par Franz Schubert et est thématiquement proche du cycle « An die ferne Geliebte » à la bien-aimée lointaine de Ludwig van Beethoven. Je vais vous lire le poème. « Ich denke dein, wenn mir der Sonne schimmer, vom Meere strahlt. Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt, in tiefer Nacht,
wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die Welle steigt. Im stillen Hause gehe ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne, wo wärst du da? Merci beaucoup à tous les trois, merci à Sylvie d'avoir sollicité tes collègues, merci à tous les trois pour ce voyage en langue allemande. On va à nouveau repasser des frontières et changer de langue en écoutant cette fois Candice Lemaire, qui est une de nos collègues ici à l'UB et qui est spécialiste de poésie américaine du XXe siècle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Thank you so much for organizing this lovely afternoon. It's such a joy to be here. Donc, j'ai choisi pour cette lecture deux courts poèmes en anglais. Le premier est américain, il a été écrit en 1920 et il traite de la thématique des désirs contraires. Il a été écrit par Robert Frost, qui est le poète iconique de Nouvelle-Angleterre au début du XXe siècle, et il s'intitule « Fire and Ice ». I'm going to read a poem by Robert Frost entitled « Fire and Ice ». Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Le second poème que je souhaitais lire est tout aussi iconique et célèbre, mais il s'agit d'un poème britannique cette fois, il s'agit d'un sonnet publié en 1609 avec 153 autres sonnets donc par William Shakespeare. Et son recueil de sonnets se divise en deux, hein, selon le destinataire des vers. Et il s'agit ici de la seconde section du recueil, dont les sonnets sont adressés à une mystérieuse Dark Lady, donc la jeune dame noire ou la jeune dame aux cheveux noirs. Et la thématique du désir dans ce sonnet, qui est le sonnet 151, est explorée dans son sens charnel. So I'm reading Sonnet 151 by William Shakespeare. Love is too young to know what conscience is. Yet, who knows not conscience is born of love? Then, gentle cheater, urge not my amiss, lest guilty of my faults thy sweet self prove. For thou betraying me, I do betray my nobler part to my gross body's treason. My soul doth tell my body that he may triumph in love. Flesh stays no farther reason, but rising at that name doth point out thee as his triumphant prize. Proud of this pride, he is contented thou poor drudge to be, to stand in thy affairs, fall by thy side. No want of conscience hold it that I call her love, for whose dear love I rise and fall. Thank you so much. Thank you. Un grand merci, Candice, pour ce choix de deux poèmes effectivement très, très évocateurs. Et nous enchaînons avec, cette fois, le domaine espagnol. Je vais céder la parole à notre collègue du département d'espagnol, José Velázquez, qui intervient chez nous dans différents enseignements, mais qui est avant tout poète dans l'âme et qui nous fait l'amitié de partager deux de ses poèmes propres. José, si tu es prêt. Oui, je suis prêt. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ouah, ça, c'est bien déjà. Bon, bonjour. Je vais lire deux poèmes en espagnol. Inclus dans son livre que je n'ai pas encore oublié. Deux poèmes que j'ai écrits tout seul, comme un grand. Et quelle contradiction, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis trop petit. Des petits nains sur les épaules des géants. C'est ça que nous sommes. Le premier poème s'intitule « Vieja Galatea ». À partir de la Galatée de Congora, que j'imagine vieille,
j'aborde le sujet de désir, le désir qui la trouble, qui la soulève contre la déchéance et la mort, qui la fait encore rêver, qui la maintient encore en vie. Le poème commence par une citation de Pablo García Baena. Y una luz de esperanza se enciende en las pupilas. Vieja Galatea. En un sillón, incómoda y hundida, a duras penas cambia de postura y se estremece frente a la espesura del lóbrego jardín que fue su vida. En un sillón desvencijado anida, trabada al turbio mar de la locura, hundida en su inmortal literatura e incómoda de tan compadecida. Y mientras Aquis huye como un río que se despeña, brinca y titubea en un alarde de dolor supremo, ella sucumbe a un último extravío y con sus brazos lánguidos rodea el cuerpo de su amado Polifemo. Le deuxième poème, à partir de l'éloignement de sa langue maternelle, de sa culture, est au contraire un texte qui essaye de transmettre l'émotion dramatique de celui qui, en quittant son pays, en perdant son identité, risque parfois de perdre aussi le désir de vivre. S'intitule Silva del Emigrante. Primero fue Toulouse, la ville rose, provenzal y moderna, distinguida, con sus suburbios pálidos de acento magrebí y aquella vieja casa junto al río, Guadalquivir de espumas turbulentas que los franceses llaman la Garonne. Yo temblaba de pena en una fábrica, me entendía por señas con el jefe y soportaba mal que les sirènes sonaran a refugio bajo el cielo baldío de un azul siluente. Después Madrid, en un arranque de nostalgia, no lejos del Retiro, donde hasta las ardillas corretean nerviosas, vivimos entre el ruido de los coches, el humo de los coches y los coches, dos años de frenético abandono o ritmo endemoniado de la corte. Y por la M40 pusimos rumbo a Francia, buscando un pot de té y otro trabajo. Eran los tiempos malos de la crisis. En una aldea donde sopla el viento, près de la montaña Noire, echaron a volar algunos meses. Aquel levante nunca amainaría. Cierro los ojos y aún escucho el golpeteo de un postigo contra la nuit universelle. Maintenant, en la Borgoña, où il fait gris tout le temps, y la gente muy franca va a lo suyo, nos ven vivir con nuestra luz a cuestas, et ils nous regardent à peine. Je dois avouer que il y a des moments en que el silencio sabe muy amargo y le froid se desliza en la memoria, un frío que profana los recuerdos y cuando il neige a Sevilla, quelle blancheur éblouissante, envidio a los que nunca se han movido de casa y dicen qu'il n'y a rien de mieux que estar en casa. Canto final, descansemos de esta larga odisea. La terre que mes enfants prendront dans leurs mains et jeteront sur nous sepultará la fragile esperanza del hogar où nous ne reviendrons jamais. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias a ti, José. Merci pour ces deux poèmes. Et surtout pour cette prouesse du poème
bilingue que tu viens de nous transmettre, un poème très intense également. Il faut le remarquer. Alors, nous passons pour la suite à un étudiant, étudiant chez nous en troisième année d'espagnol. C'est Steven Maître qui va prendre la parole, mais qui va nous proposer un poème qu'il a écrit lui-même, un poème en français. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. D'accord. Et on vous devine. Alors, très modestement, je propose un de mes poèmes que je vais vous réciter. C'est sur le désir amoureux et le désir charnel entre un homme et une femme. Donc je commence. Dans l'ombre de mes mots douloureux, je me rappelle nos nuits chaleureuses. Allongé sur les draps fraîchement disposés, tu te tenais là, prête à me dérober. Sans aucun soupçon, je me glissais auprès de toi, essayant de te prouver mes intentions voluptueuses. S'en suivent des vagues drapées, une chaleur curieuse, témoin d'un amour presque partagé. Tes yeux d'un bleu si bleu que le ciel les aurait maudits, d'une telle beauté qu'il me figeait, sourire et regard médusés. La combinaison d'un amour véritable, je le croyais. À l'aube de mes mots douloureux, je me rappelle que tu me murmurais tes mots doux pour qu'ainsi je les boive comme un homme désireux. Désireux de tes gestes, de tes imperfections, mais aussi de ta fougue, de ton audace et de ta maladresse. Sans aucun soupçon, je me tenais là, aspiré par la douce voix que tu avais. Je me suis laissé prendre dans tes filets, je me suis laissé tomber dans cette mer agitée que tu étais. Prise au large d'un amour qui me comblait, je me suis rendu compte que seul, je le partageais. Dans l'ombre de mes mots douloureux, je me suis laissé dompter par toi, maîtresse du cirque dont tu tenais les rênes. Je me sentais bien dans ces draps froissés, dans toi, dans ces nuits souillées, des cris dans la nuit, des rêves inachevés. Merci beaucoup. Merci à vous, Steven. Merci, Steven. Merci. Pour un poème très ressenti, merci. C'est à moi de présenter la suite. Donc, nous retournons sur l'ère germanophone, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si on... Et je crois que c'est Michel Müller. Oui, ça doit être Michel Müller qui reprend. Donc oui, on continue, j'imagine, la traversée des siècles allemands et autrichiens, bon. Peut-être. Bon, je vais lire un poème de Friedrich Rückert qui a été publié en 1822. Ce poème s'appelle « Qui a ein bei mir ?» Entre en moi. D'abord, je vais dire quelques mots sur le poète. Donc, Friedrich Rückert était poète, linguiste et traducteur, et il a été un auteur très prolifique dans ses différents domaines. Il a écrit environ 10 000 poèmes et est considéré comme un génie de langue. Donc, il en a maîtrisé plus de 44. Ce qui le place au même rang que le diplomate et traducteur allemand Emil Krebs. Il a toujours essayé d'enrichir la langue allemande par le contact et le frottement avec des langues étrangères, et comme ça, il a par exemple introduit dans la littérature allemande les règles de composition du ghazl arabe. Aujourd'hui, Rückert est surtout connu grâce aux mises en musique de ses textes par Gustav Mahler, notamment le Rückert-Lieder ou le Kindertotenlieder. Le poème que je vais vous lire, qui est ein bei mir, a été également mis en musique par Franz Schubert. Il s'agit d'une prière d'amour dans laquelle la personne aimée est chantée par le mot lyrique comme expression de la plénitude, comme havre de paix,
comme refuge et comme objet de désir. Kehr ein bei mir. Du bist die Ruhe, der Friede mild, die Sehnsucht du und was sie stillt. Ich weihe dir vor Lust und Schmerz, zur Wohnung hier mein Aug und Herz. Kehr ein bei mir und schließe du still hinter dir die Pforten zu. Treib andern Schmerz aus dieser Brust, voll sei dies Herz von deiner Lust. Dies Augenzelt von deinem Glanz allein erhält, o, füll es ganz. Je cède maintenant la parole à ma collègue du département d'allemand, Sylvie Machenois. Oui, je reviens vers vous pour continuer ce voyage. On avance maintenant un peu dans le 19e siècle. Je vais vous lire un poème d'une poétesse qui n'est pas connue d'un grand public international. Et pour cause, c'était une femme au 19e siècle, c'était difficile de faire entendre sa voix. Elle s'appelle Annette von Droste-Hülshoff. C'est une poétesse issue de la noblesse catholique de la région de Münster en Westphalie, en Allemagne du Nord. Et c'est l'une des toutes premières écrivaines allemandes à avoir publié en 1838 un recueil de poésie sous son propre nom. Elle est connue pour avoir chanté la nature, les landes de sa Westphalie natale, mais aussi les rivages du lac de Constance, au sud de l'Allemagne, où elle a séjourné à la fin de sa vie chez sa sœur au château de Meersburg. Et le poème que je vais vous lire est un poème en partie autobiographique, écrit en 1842. Annette von Droste a alors 45 ans, elle est déjà à la fin de sa vie, elle mourra 6 ans plus tard, et c'est pour elle un moment d'exception. Elle est passionnément amoureuse d'un jeune homme de 15 ans, son cadet. Cet amour restera un amour chaste, les convenances de l'époque et de l'aristocratie dans laquelle elle évolue ne permettent pas un assouvissement de son amour, mais elle va en rêver, elle va l'écrire et le chanter de façon cryptée dans ce poème qui s'intitule « Sur la tour ». Le début du poème évoque le contexte. Annette von Droste est en haut de la tour du château de Meersburg et elle regarde le lac de Constance à ses pieds un jour de grand vent. Et elle va dénouer sa chevelure dans le vent et, telle une ménade, se mettre à chanter son désir. Alors, c'est un désir de passion amoureuse, le corps à corps avec le vent en haut de la tour en dit long sur ce désir très violent qu'elle a en elle. C'est en même temps un désir d'évasion. Elle va rêver d'aventure dans les strophes suivantes, rêver d'être un navigateur sur des flots déchaînés, d'être un chasseur très libre en pleine nature, un soldat au combat, et pour s'écrier dans la dernière strophe « Ah, si au moins j'étais un homme !» Je vous lis ce poème. « Am Turm. Ich steh auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stache, und lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, 2 Schritte vom Rand, auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand, so frisch wie spielende Doggen, die Wellen, sie stummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. Oh, springen möchte ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich ein Wimpel wehen, so keck wie ein Standarte. Seh auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. Oh, sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruden ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen.
Wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lass es flattern empfinde. Bien, nous allons continuer ce petit voyage en avançant pour, vers la fin du 19e, le début du 20e siècle, avec le très grand poète Rilke, que là, cette fois, sans doute, vous connaissez pour être un des grands noms de la littérature allemande. Je vais céder la parole à l'une de nos étudiantes qui représente elle aussi l'Alliance européenne Forzem, puisqu'elle est originaire, Katharina Gross, de l'Université de Mayence et représente l'un des fleurons de cette Alliance Forzem, puisqu'elle est une étudiante du cursus intégré Dijon-Mayence qui conduit les étudiants au master enseignement, donc une future enseignante qui, comme tous les étudiants de Mayence, arrive à Dijon en L2 pour étudier deux disciplines. Et pour Katharina Gross, c'est la géographie et les lettres modernes. Donc Katharina est une vraie littéraire qui apprécie énormément la poésie. Je la remercie beaucoup d'avoir accepté cette participation et de nous avoir proposé d'elle-même de lire un poème de Rilke. C'est à vous, Katharina. Oui, donc aussi bonjour de ma part et merci pour cette petite introduction. Le premier poème que je vais lire est donc un poème de Rilke, Rainer Maria Rilke, qui est né 1875 et qui décède 1926. Rainer Maria Rilke était un poète qui utilisait entre autres la tristesse comme source de créativité. On dit aussi que Rilke était un artisan de l'amour, un expert en matière solitude. Solitude choisie, comme c'est aussi un voyageur infatigable. Oui, le poème que je vais lire, il semble un peu spécial, comme je trouve. Rick, il va décrire un amour inconditionnel et en même temps très, très possessif. Voilà. Lösch mir die Augen aus. Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu. Ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich. Mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Merci beaucoup. Merci pour ces poèmes en allemand. Nous changeons de continent pour les deux prochaines lectures, puisque nous allons passer à découvrir des poèmes hispano-américains. Alors, nous aurions dû entendre notre collègue Nathalie Galland, qui tenait vraiment à participer à cette lecture poétique, mais qui est empêchée par des soucis important. Donc, nous avons la chance d'accueillir Modesta Suarez, qui a eu la gentillesse d'accepter au pied levé de lire pour nous le poème choisi par Nathalie. Modesta Suarez est une collègue de l'Université de Toulouse 2, membre du laboratoire Framespa. Elle est professeure de littérature hispano-américaine, spécialiste de poésie contemporaine des Amériques hispaniques. Elle s'intéresse notamment au lien entre poésie et image. Et elle est extrêmement investie, aussi bien sur des projets poétiques, des traductions, mais aussi sur la scène théâtrale. Elle est notamment présidente adjointe de la CAVE Poésie, scène poétique et théâtrale. Modesta, merci de nous rejoindre. Nous vous écoutons.
C'est moi qui vous remercie de permettre à une voix qui a été dijonnaise dans ses études, puisque je suis une ancienne étudiante de l'université de Dijon. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, je ne pensais effectivement pas hier intervenir aujourd'hui auprès de vous et dans ce contexte tellement important du Printemps des Poètes, bien évidemment. Je remercie Nathalie de l'invitation qui m'a été faite et de l'accueil que vous me faites vous-même. Nathalie avait choisi un poète en particulier qui m'est très cher, qui était un ami dont je suis une des traductrices et la traductrice en français. Ce poète est un poète péruvien, Eduardo Chirinos, qui est décédé il y a très peu de temps, très jeune. Il est né en 1960, il est mort en 2016. Aux États-Unis, dans le Montana, où il était professeur universitaire et spécialiste de poésie latino-américaine, mais il était surtout connu comme poète, comme un des très grands poètes de la nouvelle génération de la fin du XXe siècle au Pérou, et à son arc, en plus de la corde poétique. Il a été également traducteur, il a été critique littéraire, s'est extraordinairement intéressé à tout ce qu'il y avait autour du fer poétique. Et c'était quelqu'un de très généreux. Les nombreux livres qu'il a publiés en sont le résultat de cette générosité. Il a publié également beaucoup d'anthologies poétiques et le poème que Nathalie avait choisi est extrait d'un des derniers recueils qu'il a publié, alors qui a été publié y compris post-mortem, puisque c'est un recueil publié en 2017 qui s'appelle Fragmentos de una alabanza inconclusa, ces fragments d'un éloge inachevé qui recueille un ensemble de poèmes qui vont des tout premiers recueils, tout premiers poèmes amoureux écrits dans sa prime jeunesse, et puis qui va englober jusqu'au dernier poème dont la thématique continue à être le discours amoureux. Ce qui frappe dans la langue d'Eduardo Chirinos, c'est sans doute cette ouverture assez extraordinaire de l'accueil d'une tradition qui est à la fois la tradition savante de la poésie européenne, de la poésie orientale, et puis aux côtés de ces références absolument impressionnantes, intellectuellement impressionnantes, il y a aussi cette approche qui est une approche beaucoup plus états-unienne, avec états-unienne et latino-américaine, d'une poésie très conversationnelle. Donc le poème que je vais lire, finalement ici, regroupe et est davantage centré sur le langage du quotidien pour élaborer le discours amoureux. Et je voudrais dédier ce poème à la fois à Nathalie et à Janine, qui est la compagne d'Eduardo Chirinos, qui est actuellement au Pérou. Debe haber un poema que hable de ti, un poema que habite algún espacio donde pueda hablarte sin cerrar los ojos, sin llegar necesariamente a la tristeza. Debe haber un poema que hable de ti y de mí, un poema intenso como el mar, azul y reposado en las mañanas, oscuro y erizado por las noches, y respetuoso en el orden de las cosas, como el mar, que cobija a los peces y cobija también a las estrellas. Deseo para ti el sencillo equilibrio del mar, su profundidad y su silencio, su inmensidad y su belleza. Para ti, un poema transparente, sin palabras difíciles que no puedas entender. Un poema silencioso que recuerdes sin esfuerzo y sea tierno y frágil como la flor que no me atreví a enredar alguna vez en tu cabello. Pero qué difícil es la flor si apenas la separamos del tallo, dura apenas unas horas.
Qué difícil es el mar. Si apenas le tocamos, se marcha lentamente y vuelve al rato con inesperada furia. No, no quiero eso para ti. Quiero un poema que golpee tu almohada en horas de la noche. Un poema donde pueda hallarte dormida, sin memoria, sin pasado posible que te altere. Desde que te conozco, voy en busca de este poema. Ya es de noche. Los relojes se detienen cansados en su marcha. La música se suspende en un hilo donde cuelga tristemente tu recuerdo. Ahora pienso en ti y pienso que después de todo, conocerte no ha sido tan difícil como escribir este poema. Merci beaucoup. Merci infiniment, Modesta, d'avoir prêté votre voix à ce poème magnifique. Et nous restons sur le domaine hispano-américain avec la prochaine lecture qui va être présentée par Nora Mabrouk, une de nos étudiantes de M2 Recherche, qui travaille sur la poésie et qui a choisi justement un poème de l'auteur sur lequel elle travaille cette année. Nora, n'oubliez pas le micro. Vous m'entendez maintenant, madame ? Oui, parfait. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes techniques. Alors, bonjour à tous. Donc déjà, je vais remercier madame Nathalie Galland, qui est ma directrice de recherche en M2 Révi. Je vais remercier aussi les organisateurs et organisatrices de cette jolie manifestation poétique et les lecteurs aussi qui, je pense, nous permettent aujourd'hui de surpasser, voire même d'effacer les frontières, les surligneurs même, je dirais, de l'éphémère que sont les frontières. Donc moi, je vais vous lire un bref poème d'Oscar de Pablo. Donc quelques mots sur Oscar de Pablo. Donc c'est un poète mexicain ultra-contemporain qui, je dirais, est à la fois au centre et en même temps au bord de la scène poétique mexicaine. Au centre, pourquoi ? Grâce à ses nombreux prix et à ses ouvrages, mais au bord, parce qu'il est considéré, disons, comme un auteur hétérodoxe. Il est politologue de formation et poète par conviction. Il a pris le parti, disons, de la poésie engagée et sociale. Donc, à travers ce poème qui s'intitule « Materialismo erotico », Oscar de Pablo expose cette correspondance intime et ce désir d'union entre le poète et la matière. Matière esthésique, je dirais, qui, lorsqu'on la touche ou lorsqu'elle nous touche, nous contamine. Donc voilà ce poème. Materialismo erótico. Aunque apenas ahora lo comprenda, vivir fue siempre esto. La horizontalidad terráquea del abrazo, el tacto innumerable, la caricia. El olor de la albahaca y del tiempo concentrado en su cuello y ese gozo irresuelto que no acaba. Ante el cálido roce de esa piel, de esa mano, nadie podrá hablar mal de la materia. Nadie podrá decir mirándola a los ojos que la belleza física sea una cosa superflua. Nadie podrá decir que fuera de estas sábanas exista Dios o nada parecido. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nora, de nous faire découvrir ce poète ultra contemporain avec cet exemple très parlant. Nous continuons à présent avec l'intervention d'une autre étudiante, d'une étudiante internationale qui s'appelle Sharmila Pereira et qui nous propose un poème qu'elle a elle-même composé,
un poème en français, mais avec quelques mots en singalais, la langue parlée au Sri Lanka. Alors, Sharmila, c'est à vous. Non ? Alors, je crois qu'on doit avoir un petit problème de connexion. Je ne la vois pas, elle n'a pas réussi à rejoindre. C'est Pereira. Oh oui, mais... Alors, on va essayer de voir si on arrive à la joindre. En attendant, je propose qu'on passe directement à la suivante. Qui était donc Karine ? Oui, alors, ouais. Tout à fait. Eh bien, on marche. Ah bah, pardon, excuse-moi, juste attends. Sharmila Pereira vient tout juste d'arriver. Parfait. Pardon, donc Karine, désolée pour le petit coup de stress. Vous repasserez après. Hop, parfait. Voilà, Sharmila, on vous voit, on vous entend, je pense. Pensez bien activer votre micro. Activer le micro. Et ensuite, on... Voilà. Oui, je vous entends. Et on vous entend aussi. Ok, merci. Pardon, vous avez recoupé votre micro, je pense. Donc... Oui. Ok, donc c'est à vous, si vous voulez partager votre poème avec nous, on vous écoute. Ok. Décider ou accepter la vie. Lorsque j'étais un bébé, je décidais babiller en singalais. Je pensais que j'étais le roi lion qui était dans la forêt. Car malheureusement, je n'étais pas capable de parler comme ma mère intelligente qui peut bien bavarder. Lorsque je décidais rapidement ramper, je pensais que j'étais le cobra royal qui pouvait lentement bouger. Car malheureusement, je n'étais pas capable de marcher comme mon père robuste qui pouvait bien défiler. Lorsque je décidais d'être le reine, le tribal le plus invincible, j'étais le domicile le plus fier et le plus incorrigible. Car je décidais tout dominer comme la reine le plus féministe et le résultat, la société était devenue de plus en plus machiste. Après le mariage, je décidais de regarder mes bébés capables de crier. Je pensais que mes éléphants étaient en train de se multiplier. Car j'étais le matriarche, mais quel pagaille. Je ne faisais que le ménage et beaucoup de travail. Lorsque j'étais une vieille dame qui était faible, je désirais ressortir de la vieillesse perdue dans une jungle horrible. Car j'étais une aveugle, j'étais sourde. Sur la planète Terre, j'étais trop lourde. Mais une meilleure vie n'est pas impossible selon ces mots dorés en singulier, c'est visible. Obakanasalin Torojiva Timata Nam Boho Ashava Nathikala Nogatiyutui. C'est la meilleure théorie. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup de désir pour vivre sans aucun souci. Merci. Merci pour beaucoup. La morale de merci beaucoup, Sharmila, et merci oui, de oui. nous faire entendre ces quelques mots oui. de singalais qui nous font voyager aussi. Merci à vous aussi. Nous continuons ce voyage, ce parcours, avec à présent l'intervention de Karine Vacher-Aoussina, qui est manager de projet en charge de l'organisation et de la promotion de l'Alliance universitaire européenne for them dont nous avons déjà parlé. Elle travaille au sein de l'université de Valence, hein, qui est donc l'une des 7 universités partenaires. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur d'être ici avec vous. Par le passé, j'ai aimé écrire des récits et des poèmes et j'ai pensé que mon poème Sortilegio pouvait bien convenir à ce programme de lecture poétique. Ce poème évoque une relation déséquilibrée dans un cadre aventureux.
Il y a un sentiment de danger et le désir du narrateur de changer les choses. Sortilegio. Hipnosis es la palabra que brilla todas las tardes en los charcos de la ciudad brumosa. Todas las tardes veo destellos en tus ojos y luces y sombras saludan a tu paso. Yo necesito brillar también, pero tú vas delante y yo detrás, y descubres y dominas profundos pasadizos, bazares al azar, altares y balcones y galaxias en penumbra. Pero brotes de locura relumbraban en tus ojos tras cruzar aquel umbral y bajar un escalón tras otro hasta una puerta de metal. Es peligroso llegar hasta aquí, dije, y me miraste por fin. Es peligroso y yo necesito brillar también y atraparte en los espejos de mi ensortijado corazón. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce sortilège que vous nous avez fait découvrir. On retourne là sur les... C'est bien ça, hein, on continue les... Le voyage du côté des intervenants germanophones. Donc, c'est bien ça, on reprend avec Katharina d'abord, Gross, qui va reprendre. Voilà. Oui. Alors, vous étiez partie avec Rainer Maria Rilke et maintenant ? Maintenant, c'est un poème de Elisabeth ou Else Lasker-Schüler. Oui, c'était une poétesse allemande juive. Et d'où vient le désir dans ses poèmes? Elle faisait trois voyages à Jérusalem parce que c'était la ville de ses rêves. Et elle, comme personne, elle avait une personnalité extraordinaire. En plus, elle était très extrovertie. On dit qu'elle avait des yeux très vifs et aussi elle avait les cheveux très courts. C'était très rare à l'époque, très moderne, mais ce qui fait qu'à l'époque, à Berlin, où elle habitait, elle ne se sentait pas à l'aise, plutôt comme une étrangère. Et aussi plus tard à Jérusalem, dans son exil, donc devant la menace du national-socialisme. Là aussi, bien que c'est la ville de ses rêves, de ses désirs, elle reste une étrangère à l'étranger. Donc oui, donc le fait d'être différente et son désir d'un autre endroit. Donc elle cherche toujours, tout ça, c'est sa motivation d'écrire. Et l'amour, elle dit elle-même, elle en a besoin pour s'enfuir de sa solitude. Oui, voilà, donc son poème. Aber ich finde dich nicht mehr. Ich gleite meinen lallenden Händen nach. Die suchen überall nach dir. Aber ich finde dich nicht mehr unter den Dattelbäumen, unter den Zweigen der Träume. Alle meine starren Kronen sind zerflossen vor deinem Lächeln und zwischen unseren Lippen jausten die Engel. Ich will meine Augen nicht mehr öffnen, wenn sie sich nicht mit deiner Süße füllen. Merci. Donc, il nous reste encore un poème en allemand, je crois. Oui, c'est Christoph Behrens qui va terminer ce voyage à travers le temps et la poésie allemande, donc en trois étapes tout au long de notre événement poétique. Donc, c'est Christoph qui va le terminer. Avec le microphone, s'il vous plaît, Christoph. Donc c'est à moi de terminer ce petit voyage à travers la poésie allemande avec le poème « Beim Hufschlag der Nacht » au rythme des sabots de la nuit de Ingeborg Bachmann.
L'œuvre d'Ingeborg Bachmann, poétesse autrichienne, est en effet l'une des plus singulières de la littérature germanophone de la seconde moitié du XXe siècle. Ingeborg Bachmann est la première femme de la littérature de l'après-guerre des pays de langue allemande qui, par des moyens radicalement poétiques, a décrit la continuation de la guerre, de la torture, de l'anéantissement et dans la société et à l'intérieur des relations entre hommes et femmes. Mystérieuse et audacieuse comme elle est, Bachmann a tout à la fois fasciné et déconcerté ses contemporains. Dans « Beim Hufschlag der Nacht », au rythme des sabots de la nuit, qui fait partie de son premier recueil de poèmes « Die gestundene Zeit », « Le temps en sursis » de 1953, Bachmann se sert du motif de la course à cheval dans la nuit, figure bien connue dans la poésie allemande. Or, la poétesse le recontextualise ici dans un tableau qui est constitué par la mémoire, la fuite, le désir et la violence. Ingeborg Bachmann, beim Hufschlag der Nacht. Beim Hufschlag der Nacht, des schwarzen Hengstes vorm Tor, zittert mein Herz noch wie einst und reicht mir dem Sattel im Flug, rot wie das Halfter, das Diomedes mir lieh. Gewaltig sprengt der Wind mir auf dunkler Straße voran und teilt das schwarze Gelock der schlafenden Bäume, dass die vom Mondlicht nassen Früchte erschrocken auf Schulter und Schwert springen und ich schleudere die Peitsche auf einen erloschenen Stern. Nur einmal verhalte ich den Schritt, deine treulosen Lippen zu küssen. Schon fängt sich dein Haar an den Zügeln und dein Schuh schleift im Staub und ich höre deinem Atem noch und das Wort, mit dem du mich schlugst. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette épopée dans la poésie allemande. Merci à tous les quatre. Donc, à nouveau, changement d'air, doublement quelque part, puisque maintenant nous allons avoir le plaisir d'écouter notre collègue de Franche-Comté, Pascal Guibert, qui est professeur de littérature britannique à Besançon, donc, mais qui va aujourd'hui avoir la générosité de partager avec nous un de ses poèmes personnels en français. Donc, Pascal, on t'écoute. Oui, bonjour. Quel honneur, effectivement, quel bonheur aussi de partager ça avec vous. Voilà. Donc, pour le printemps des poètes, effectivement, du désir et des fleurs, mais des fleurs jamais coupées. Un bouquet pour une qui n'aime pas les fleurs. Un bouquet extraordinaire, hirsute, bigarré, s'élançant de tous côtés, impossible à ranger. Nous n'y mettrons pas de lys, car nous refusons la pureté qu'ils portent entêtante et acérée, la lance droite de leur tige. 10 000 jonquilles qui dansent et se balancent dans la brise, font rêver le soleil à l'envers, écrivent leurs vagues lumineuses. Une brassée de pivoine, touffe de tête de demoiselle, échevelée, songeuse et un tout petit peu désolée, on ne sait trop pourquoi, d'avoir laissé passer le temps, peut-être. 13 marguerites, leurs pétales nous diront la vérité jamais écrite de ce qui en devenir est. 1, 2, 3 bleuets, fleurissement du ciel en flocons étoilés, donc tu me fies de fleurs et fruits à la fois. 2 roses qui disent la douceur des lèvres et le bonheur des corps. 1 violette tendre, odorante et fragile, petit cristal de sucre croquant, notre drapeau, couleur de ralliement. Autour de tout cela, ça et là, des brindilles de sourciers pour tracer nos mystères sur terre et faire surgir l'eau, le feu, nos langues d'écriture. Le voici. Sein d'une tresse d'iris. Merci infiniment, Pascal. Merci beaucoup. Ouais. Pour compléter cette merveilleuse intervention que nous avons, dont je pense nous sommes très heureuses d'avoir, mais effectivement pour une manifestation sur le désir. Merci, Pascal, d'intervenir avec un poème pour le rendre un tout petit peu moins hétérosexuel. Et nous continuons avec la lecture proposée par une étudiante, Céline Eppensinger, qui nous a proposé l'un de ses poèmes personnels,
rédigé en anglais. Alors, j'espère que Céline a pu se connecter. Parfait. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir m'invité à cet événement. Je vais vous présenter un poème que j'avais écrit en anglais. Ça s'appelle Bluff. You thought you mattered. You thought you were enough. They made you feel flattered. But it was all just a big bluff. So you took your chances. You ignored all the signs. And now your heart dances, but not on the right lines. You no longer know what's real or what the real even is you. Because all your heart can feel is the greater pain that persists. You try to be your best, but you'll never make it that far. Because you need your rest. And for sure, it won't be at the bar. Now all you want to do is ignore the big crowd, for they never really knew why you were certainly not loud. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'était pas très fort. Je ne sais pas si les autres sur Teams ont bien entendu, mais de toute façon, les poèmes vont tous être sur le blog. Hein. Je pense que ce sera bien aussi qu'on y retourne et qu'on regarde ce qui a été lu par la suite. Tout à fait. Oui, oui. Merci en tout cas, Céline, pour ce poème, Bluff. Et bien donc, du coup, merci à toutes et tous les participants. Et pour conclure, on va écouter Céline, Cécile, puis Marie-Eudie, qui aussi a accepté de partager des poèmes avec nous. Donc Cécile d'abord, je crois. Alors, je voulais vous lire un poème d'une poétesse du XVIIe siècle, Sor Juana Inés de la Cruz, qui est donc une grande figure des lettres du siècle d'or en Espagne. Et c'est un exploit s'agissant d'une femme née au Nouveau-Mexique, née en Nouvelle-Espagne, qui est l'actuel Mexique. Elle est née en 1651 et décédée en 1695. C'est une autodidacte extrêmement indépendante pour son temps, volontaire, qui a très tôt fait connaître ses talents multiples, notamment pour les lettres. Et je voulais vous faire entendre l'un de ses sonnets. Ce sonnet est de 1692. C'est un sonnet qui évoque les paradoxes du désir amoureux, qui nous fait bien souvent rechercher ceux qui nous fuient et fuir ceux qui nous recherchent, ceux qui nous admirent. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo. Merci voilà. Beaucoup, Cécile. Marie-Odile. Oui, alors moi j'ai choisi deux poèmes qui sont du 19e siècle et qui se répondent finalement assez curieusement. D'une part, The Voice, enfin je dis 19e, début 20e, enfin, The Voice de Thomas Hardy, où il. Alors ça a l'air un peu triste comme ça de finir là-dessus, ces deux poèmes sur la mort, mais c'est sur le désir au-delà de la mort finalement. Thomas Hardy regrette sa femme, elle entend en fait un petit peu. Comme ça, dans le vent. Et puis l'autre, c'est Echo de Christina Rossetti, qui écrit avant. Et là, c'est la femme qui est morte et qui dit à son mari, en quelque sorte, de la retrouver à son compagnon. Donc, ce sont des échos.
Alors le premier, donc The Voice, Thomas Hardy, 1912. Woman much missed, how you call to me, saying that now you're not as you were, when you are changed from the one who was all to me, but as at first, when our day was fair. Can it be you that I hear? Let me view you then, standing as when I drew near to the town, where you would wait for me, yes, as I knew you then, even to the original air-blue gown. Or is it only the breeze in its listlessness, travelling across the wet mead to me here, you being ever dissolved to one wistlessness, heard no more again, far or near. Thus I, faltering forward, leaves around me falling, wind oozing thin through the thorn from Norwood, and the woman calling. Donc ça c'est le premier. The second one, as I said, was written before, and it's Christina Rossetti imagining how she would long for her companion even after death. Echo. Christina Rossetti, 1862. Come to me in the silence of the night. Come in the speaking silence of a dream. Come with soft rounded cheeks and eyes as bright as sunlight on a stream. Come back in tears, O memory, hope, love of finished years. O dream, how sweet, too bitter sweet, whose wakening should have been in paradise, where souls brimful of love abide and meet, where thirsting, longing eyes watch the slow door, that opening, letting in, lets out no more. Yet come to me in dreams, that I may live my very life again, though cold in death. Come back to me in dreams, that I may give pulse, breath for breath. Speak low, lean low, as long ago, my love, how long ago. Merci beaucoup, Marie-Odile. Merci à tous et à toutes encore une fois. Il nous reste un petit peu de temps éventuellement pour quelques échanges. Si certains d'entre vous, ont des questions à poser à n'importe lequel des participants sur des poèmes qu'ils ont lus ou sur le travail de traduction, par exemple, ou d'organisation qui a été fait, si vous avez des commentaires à faire, par exemple, n'hésitez pas. Des réactions après ces écoutes. On peut s'accorder quelques minutes pour échanger. Comme vous êtes, on est 21 en tout, si vous pouvez, n'hésitez pas à lever la main sur Teams pour signaler que vous voudriez prendre la parole. Bon, si vous prenez la parole, il faut que ce soit en vert, par contre. Quand on a réfléchi un petit peu, on s'était dit que ça serait bien d'avoir de la musique, hein, de prendre le thé. Mais alors, on avait les masques. Et puis, c'était un peu compliqué d'organiser des choses. Mais c'est vrai qu'en voyant comment ça se passe, on ne peut qu'espérer, évidemment, de vous accueillir en présentiel de nouveau au prochain printemps ou été, automne, hiver des poètes. Parce que c'est vrai que c'est bien en un sens, mais en même temps, c'est vrai qu'on aurait aimé plus d'interactions. Enfin, même si ça a bien marché techniquement. Alors, le côté positif, moi, que je trouve... Ça, c'est qu'on a des gens de partout. Et puis, en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement poétique à vous avoir vu tous accepter de faire défiler vos visages et vos petits coins d'intérieur aussi, en même temps que vous lisiez vos poèmes choisis. Voilà, pour moi, ça rajoute aussi une petite touche d'humanité qu'on n'a pas toujours dans un contexte universitaire, dans un amphi. Donc, c'était aussi assez appréciable, finalement. Oui, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les uns les autres. Enfin, bien sûr, ça fait un an maintenant qu'on est tous comme ça sur des écrans, mais pour la poésie, c'est spécial aussi, quoi.
En attendant, juste pour signaler quand même, dans l'ensemble, entre les personnes présentes sur Teams qui ont participé et les personnes qui nous regardaient sur YouTube, on a été entre 30 et 35 personnes à écouter de la poésie, partager de la poésie ensemble. Donc, c'est quand même pas si mal. Donc, à nouveau, un grand merci à tous. Pour le moment, a priori, il n'y a pas de questions et de réactions. Je ne sais pas si, Cécile, tu voulais rajouter quelque chose. Ah, si. Sylvie. Si oui, moi, je levais la main, mais vous... Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. J'étais très docile pour une fois, mais... Mais parce qu'il faut la lever sur Teams. Tu sais, il faut appuyer sur le bouton, sinon on n'est pas sûr. Mais j'avais appuyé sur le bouton. Hein. Pardonne-moi. J'avais ma main électronique qui était levée, là. J'ai appris que la main réelle, This Living Hand, je l'ai... Il y a plein de gens qui... En fait, il y avait plein de gens. Bon, donc on arrête de parler, et puis on vous laisse la parole. Alors, Sylvie. Alors, Sylvie... Je voulais dire que... On s'était posé la question, mais je trouve que c'est tout à fait frappant et très, très agréable et très sensuel d'entendre de la poésie, y compris dans des langues étrangères qu'on ne maîtrise pas. Que la poésie, c'est une affaire de sonorité et que du coup, on découvre d'autres sonorités. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à ça. Et je trouve que le mélange des langues, c'était vraiment une très, très grande richesse dans l'après-midi. Et puis, alors là, c'est moins un avis que ma minute de pub. On travaille au niveau Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique de la recherche et de la création. Et un des axes de notre travail dans les années à venir va être autour de la poésie. Et donc, moi, j'espère qu'on va pouvoir multiplier les manifestations de ce type, voire travailler entre nous à des ateliers d'écriture des créatives. Mais j'ai été très impressionnée par ce que vous avez fait avec les poèmes en chinois. Je trouve que c'est fabuleux d'entendre le poème en chinois et après entendre en italien et en français et de justement de se dire c'est, enfin voilà, je trouve que ça mériterait vraiment de profiter de Forum pour faire plus de choses dans cette direction là donc merci beaucoup aux organisatrices pour l'excellente idée de cette réunion. Merci en tout cas à vous tous de vous être mobilisés aussi vite et d'avoir su justement générer des dynamiques collectives pour un bon nombre d'entre vous. C'était vraiment ouais, tout à fait. Très, très beau à voir. Tout était remarquable, mais je suis d'accord avec toi Sylvie, ce processus de poème en chinois, puis traduction en chinois, puis un étudiant italien qui le lit en chinois, puis la traduction italienne et la traduction française pour finir, c'était incroyable. Je suis d'accord avec toi, il faut creuser, là, il faut refaire ce genre de choses. Hervé ? Oui, moi je voulais dire de toute façon déjà un peu la même chose que Sylvie. C'est dans des occasions comme ça, quand on ne comprend pas les trois quarts des poèmes qu'on entend, on réalise que la poésie, c'est en fait exactement comme le rock. Parce que, comme je ne suis pas angliciste, je fais partie de la grande majorité des gens qui aiment des musiques, qui aiment des voix, qui aiment même des textes, alors qu'en réalité, ils ne les comprennent pas. Mais c'est vrai que l'important, aussi bien dans la chanson que dans la poésie, c'est d'entendre des sonorités, c'est d'entendre des voix, des rythmes, etc. Ça, c'est une première chose, et puis on peut en parler longtemps. La deuxième chose, c'est puisque vous parlez déjà de l'avenir, de choses comme ça, c'est vrai que ce serait bien de se retrouver autour de thé, de choses à grignoter. C'est vrai que ce serait bien aussi, je sais que ça pose toujours des problèmes comme ça, qu'on ait un lieu convivial à la fac un peu tardif, mais de se retrouver non pas dans une pseudo-fin d'après-midi, mais par exemple dans un début de soirée, si c'est organisable. Et c'est vrai que ce serait bien aussi, à compter qu'on soit peut-être une vingtaine autour d'une très grande table ou de quelque chose, je sais qu'il y a la barrière des langues, hein, mais qu'on puisse mettre sur la table, on est venu avec des poèmes qu'on a préparés, avec des coups qu'on a montés, quand c'était des interventions à plusieurs voix. Mais je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait un moment, une fois que les choses prennent, c'est peut-être aussi un peu frustrant d'arrêter là, simplement parce qu'on a fini le compte, de venir avec des bouquins, de les poser sur la table, et à la limite de se les distribuer ou de les ramasser au hasard. À ce moment-là, c'est un autre travail. Mais je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait ce travail à la suite. C'est une suggestion. Et la suivante, c'est une pyjama party. Alors, effectivement, c'est une bonne idée. Je pense que c'est peut-être plus internatile comme discussion, puisque ça ne concernerait que des présents. Alors qu'effectivement, là, on est quand même dans un cadre. C'est l'avantage aussi du distanciel international avec, grâce à l'Alliance for Dames. Mais oui, je suppose qu'on pourra discuter de l'avenir de cette manifestation. Oui, des pistes à explorer. Alors, il y avait aussi Lina.
Alors, je vais essayer de faire redire que les deux personnes précédentes ont dit, mais c'est vrai que c'était super intéressant d'avoir toute cette variété de langues et aussi, à l'intérieur d'une même langue, la variété d'accents qu'il y avait en espagnol, en allemand, en anglais et dans les autres langues, quand il n'y avait pas une seule personne qui la parlait, parce que là, c'est un peu impossible de comparer, mais... J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont parlé dans d'autres langues. C'était vraiment, vraiment top. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres réactions encore? C'est vrai qu'on peut aussi parler de la variété, effectivement, vous avez raison, Lina, des accents, c'était très intéressant. Même en français, d'ailleurs. alors, Sylvie, il y avait une question. Oui, je ne l'ai pas dit en français, mais oui. Sylvie ? Oui, je voulais rebondir sur de l'utilité d'associer l'Alliance Forzem. Ça me semble d'autant plus intéressant qu'on pourrait imaginer qu'on traduise, grâce à nos ressources Forzem, les poèmes qui seront mis sur le blog. Je pense que ce serait bien. C'est un gros effort et c'est très difficile de traduire de la poésie, chacun le sait. Mais je pense qu'on peut bénéficier justement du fait qu'on ait des native speakers dans chaque pays de l'Alliance, au moins pour ces langues-là, et que le poème soit traduit dans un premier temps par celui qui maîtrise la langue source, et qu'ensuite un partenaire d'une équipe d'une autre université essaie de rendre la traduction un peu plus poétique. Donc ce serait une piste. Maintenant, je ne sais pas si le blog permet cela, Sylvie Crinquant et le gestionnaire du blog Loïc nous le diront, mais voilà, c'est peut-être possible de faire cela à moyen terme, peut-être pas forcément cette année si on ne s'y était pas préparé et qu'on manque un peu de temps, mais une autre année. Il doit y avoir des poèmes qui sont déjà traduits d'ailleurs, de toute façon. Il existe souvent des traductions officielles pour les poètes les plus connus, mais on sait bien qu'on a eu la lecture de poètes qui n'étaient pas très connus, et à ce moment-là, ça nécessitera un effort de notre part. Oui, c'est aussi une perspective intéressante, tout à fait. En tout cas, moi, une des choses que j'ai trouvées vraiment formidables à l'occasion de cette rencontre, c'est le mélange justement entre les poèmes d'auteurs et de grands noms de la littérature de différentes époques qui côtoyaient des poèmes personnels. Voilà, je crois que pour célébrer le printemps des poètes, c'était vraiment une grande satisfaction de voir ce foisonnement de propositions à la fois d'étudiants, de collègues, hein, pour faire partager des créations propres. Et là, pour le coup, ça serait vraiment intéressant d'avoir des traductions. Des traductions ou, comme le disait Sylvie Crinquant, des ateliers aussi de traduction créative. Oui. Oui, effectivement, je suis d'accord. Le partage de poésie personnelle, c'est encore une fois vraiment merci, parce que pour le coup, c'est vraiment un partage particulièrement unique, quoi. Donc, vraiment avoir accepté de nous offrir ça, c'est extrêmement précieux. On peut remercier la technique aussi, parce que finalement, ils ont bien, je pense qu'ils ont assez bien géré après. Oui, un grand merci. Oui, voilà. C'est vrai qu'ils nous ont permis de faire cette... On espère que la prochaine fois, il y aura toujours du distanciel, mais peut-être plus 3 en distanciel. Il faudra peut-être trouver une autre formule. Une autre formule, oui, ou en tout cas, avoir un peu plus de monde en présentiel. C'est vrai que cette rencontre un peu particulière n'aurait pas été possible sans l'investissement d'Éric Paul et de son équipe. Donc, merci à eux. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Faisons appel à eux pour les bourguignons. Hein. Je voulais peut-être juste rajouter, alors c'est d'une banalité sans fond ce que je vais dire, mais par ailleurs, c'était quand même aussi intéressant que sur un thème commun, justement, le fait de laisser les gens choisir leur poème et proposer leur propre poème, il y avait aussi une diversité de thématiques, finalement, ce que les gens mettent derrière la notion de désir. C'était hyper intéressant. Bon, moi, personnellement, le poème de Madame Pereira, je crois, celui qui était en français et cingalais, ça m'a vraiment frappée comme oui, effectivement, c'est du désir. J'aurais pas pensé à dire ça, en fait. J'aurais pas pensé à ce genre de thématique. Mais oui, c'était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant aussi intellectuellement. Donc là aussi, je pense qu'il y aura des choses à creuser éventuellement.
Est-ce que nous avons d'autres choses à dire? On n'a pas eu beaucoup de verres, hein, du coup, dans tous ces commentaires. Mais... Si je peux ajouter, alors du coup, je remets la main. J'ai été sensible à ce que disait. Ah ben voilà, je ne disais pas ce que vous disiez sur les étudiants et la poésie. Et moi, je pense effectivement que nous sous-estimons peut-être les capacités de nos étudiants en matière poétique et qu'il serait vraiment intéressant de travailler cette question-là aussi. Et merci vraiment à tous les étudiants, à la fois qui ont lu des poèmes, qui ont accepté et osé, parce que ce n'est pas facile, exactement, de partager leurs propres poèmes. C'est vraiment une démarche que personnellement, j'admire énormément. Can I also add something very, very briefly? Yeah, sure. Thank you. I would like very simply to remercier tout le monde because, you know, this participation from our side to this initiative is following another meeting that we had on for them together with Agnès Pernelio and Jai Lee. We were also in one room there. They just put us together and we have had just a few minutes to exchange a few words. And after this meeting, Agnès has showed up with this invitation to this initiative. So this was the first time we, the three of us, have met within this activity. And because of this, I've been including two of my students. It was everything was done really in a short time, a very short time. But the students have already left because they had other activities to do also in the afternoon. But their comments on the WhatsApp was absolutely enthusiastic. So what do I want to say? We are using this technology due to this very unhappy issue of the pandemic. But still, this kind of means gives us the, or at least gives me the idea that we are in this initiative as if we know each other for a long, long time already. Just for the fact that we are sharing this means, this tool, and so I also want to thank Eric because he has been doing a lot of work in this, and also his team, Cécile, and everyone I've been in contact with. And then if there is something that can be, turned into something better or whatever, it's not too important. I think it's very important that we have been listening to these sounds, that we have been including the students who are younger and, you know, they can produce things in time. And that we just, put one more little brick into this reciprocal acquaintance with each other. So it's just very nice to be here today, to have heard all of you in all the languages. And I want to thank particularly Agnès, because she was the one who has been inviting me here, but also everyone else. So many, many, many thanks. Should there be something else developing from today's meeting, I'll be most happy to know and to read. And, you know, if there is something to do, then I'll be happy to do. Thank you, everyone. Pascal also wanted to say something. Pascal, s'il te plaît. Oui, je voulais juste moi aussi vous remercier toutes pour tout ce que vous faites. Dans le tout, j'inclus Loïc, évidemment aussi, qui est d'une gentillesse infinie à chaque fois. Donc voilà. Vraiment, c'est que du bonheur. Et effectivement, comme Giuseppa, j'espère qu'on se retrouvera en vrai, en faux, mais qu'on se retrouvera de toute façon et la poésie sera là et le monde sera meilleur. Voilà. J'en profite pour ajouter, effectivement, vous avez été plusieurs à insister sur le fait que c'était important d'avoir eu des enseignants, des étudiants, c'est vrai. On avait étendu l'appel à tout le monde, en fait. On avait aussi essayé de joindre les personnels BIAT. Il y a Karine. Fuchs-Bête. Voilà, on a eu, oui, grâce à Karine, heureusement, les BIAT ont été un peu représentés. Je pense qu'on aurait pu faire encore un petit peu plus. Si ça se poursuit, vraiment, je pense que tout le monde ici, on peut tous participer. C'est pas réservé aux universitaires. Donc, si vous pouvez, vous avez des amis, vous avez de la famille qui ne se sent pas forcément à l'aise en soi de se dire « Ah non, c'est milieu intellectuel, ce n'est pas pour moi. » des connaissances qui travaillent dans d'autres milieux, je pense que c'est très, très important de leur en parler, de faire monter la hype et de la prochaine fois, peut-être qu'il y a un événement
comme ça, d'essayer de ramener des gens qui ne sont pas que dans notre milieu universitaire. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Oui, on est d'accord. All right, so sorry we kept speaking in French in this whole conclusion. We should have translated a little bit of it in English. So I think we can stop here. Je pense qu'on peut s'arrêter ici s'il n'y a rien à rajouter. On arrive. Et il est l'heure. Oui, ça va être le gong. Donc à nouveau, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique. Tous. Merci à Cécile qui a fait un travail extraordinaire pour organiser tout ça. Sans toi, clairement, ça ne se serait pas fait. Et puis à bientôt alors pour parler à nouveau de poésie, j'espère. Au revoir à tous. À bientôt, à la prochaine. Au revoir.